Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre petit let's play sur Atomic Earth les amis. Donc voyons voir un petit peu la suite. Évidemment. Alors attends, un homme averti en vaut deux. Les ennemis peuvent lancer de puissantes attaques capables de mettre P3 KO. Quand un ennemi prépare une telle attaque, Charles vous indique le meilleur moment pour esquiver. Quand vous voyez la surbrillance en rouge, appuyez sur B pour esquiver, ok. Les machines se relevèrent de leur centre. Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé là. Essayez d'éviter leur vie. Ah, à ce rythme, je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection en neuropolymère appelé Neuromed. Récupérez sa capsule et utilisez-la. Collectez de plusieurs ressources à la fois. Si plusieurs caisses se trouvent en face de vous, maintenez RB. Pour vous soigner. N'hésitez pas non plus à récupérer les autres ressources que vous trouvez en chemin. C'est moi, j'ai besoin d'eau. Je vous rappelle que vous disposez d'un sac à dos spécial, Yarov Abalakov, vous permettant de ranger votre équipement. Il fonctionne via une singularité quantique qui réduit les objets qu'on y range, puis leur rend leur taille d'origine quand on les sort. N'arrête pas le progrès. On se croirait dans un roman de science-fiction. J'ai pas compris c'était quoi là le truc d'ordre, mais bon. Attends, peut-être là. Non, mais en tout cas j'ai bien récupéré beaucoup de choses. Ah oui, je vais tester un truc. Non. Approchez-vous discrètement du robot et effectuez une attaque furtive. J'en profiterai pour le désactiver. Quel robot ? De le faire à votre arrivée, camarade Mouraviova. On m'a chargé de documenter et de... Documente tout ce que tu veux, mon gars, mais hors de question de m'enregistrer. Eh bien, laissez-moi passer. Il m'appelle pas camarade Mouraviova. Pour toi, ce sera Mamizina. On n'a pas le droit de vous laisser passer, camarade... Mamizina. Pas sans autorisation. Vraiment. J'ai toujours eu le droit d'entrer ici. Et aujourd'hui, tu me dis non, petit. Alors, tu vois bien. Soit vous me laissez passer, soit quand je reviendrai plus tard. Assieds-toi, Mikhail, j'ai juste un travail à finir. Et ensuite, je t'aiderai à rédiger ce rapport. Technicien 84, apporte du thé au camarade Koltsov, je serai là dans un instant. Mmh.
Putain, il y a tellement de trucs à fouiller. Et c'est que j'ai l'impression que ça va tellement être utile en fait. Je sais pas, hein, peut-être je me dis de la merde, peut-être. Hein. Peut-être ce sera pas du tout utile, mais j'ai l'impression. Hey, le gant. Je m'appelle Charles, camarade major. Bref, comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein? Qui ça? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ok, ok. Merde, pourquoi tout est fermé ici? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer les humains. Tout le site est bouclé, section interne comprise. Comment je fais pour ouvrir cette porte? Elle est fermée par une serrure électromagnétique. Donc il faut que je la grille à l'IEM. Et comment voulez-vous que je fasse ça, moi, bon sang? Votre gant est équipé d'un module ELEC, capable de générer des IEM. Vous trouverez un peu partout sur le site des capsules contenant les neuropolymères nécessaires pour installer ce module. Ok, je vais me débrouiller. V chérie, nous laissez des... Il y a un problème là. Oh merde! Voilà, foreuse. Voilà, foreuse de bâtard. Allez. J'ai l'impression que j'ai un peu été écrasé quand même. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'il y a maltraitance là. Allez, allez, debout, soldat. Ah. Ouais, encore un effort. Ça va? Ça va. Combien j'ai de doigts? 4. Nickel, allez debout, j'ai besoin de vous. C'est qui ceux-là? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui? Je suis médecin. C'est quoi votre nom? On n'a pas le temps de discuter là. Oh putain! Les forceps, bordel! M'en occupe. Passez-les-moi! Hé, qu'est-ce que ça fout là, ça? Grouillez-vous, bon sang! Une capsule de neuropolymère? On n'en a pas besoin. Et donc c'est quoi votre nom? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on Comment vous avez fait ça? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre! Larissa! Wow. Faut éviter le rayon. Clarissa a pris. Difficile à dire. Le système de ventilation. Un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça. C'est quoi ce bidule sur la porte? Une serrure. Sérieusement? Alors ouvrez-la, bordel. Allez, on n'a pas que ça à faire. Je ne peux pas vous aider.
Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur s'allume. Ouais, j'avais compris ça. Ça a marché. Oh, la DA, la petite musique derrière, je kiffe les musiques comme ça. Un peu dramatique Charles, et tout. Y a quoi derrière cette porte? C'est la voix de Nora, un adversaire extrêmement dangereux. Ah, c'est le frigo. Nom de Dieu, c'est quoi ça? Oh, quel étalon! J'adore les putains de muscles. Laisse-moi t'attacher au pied, mon jeune homme. Inutile de résister, mon lapin. Tu vas adorer ça, tu verras. Ne la laissez pas vous lier les bras! Mais je fais que ça! Vous auriez pas d'autres idées? Amenez-moi près de ces capteurs, vite! Oh, ça m'excite! J'adore les sabres rebelles et dominateurs. Attends que je te chope. Tu vas voir saloperie. Oh, quelle brute! J'adore les gros durs sabres. Plus près, je ne peux pas l'atteindre. J'essaie. Mais elle est balèze, la salope. Je ferai tout ce que tu veux, mon joli. Mon maître, que veux-tu que je te fasse? D'autres compétences viendront plus tard, mais choisissez les LEC pour l'instant. Mais tu es irrésistible! Je vais te montrer ce que peut faire une professionnelle comme moi. Améliorer. Je l'ai vu, hein, littéralement. Putain de méchoui. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. Crois-moi, mon joli, tu peux améliorer tout ce que tu veux. Absolument tout. Les armes, c'est utile. Ouvrez donc la fenêtre correspondante. Enlève ce gant ridicule, mon mignon. Tu n'en as plus besoin maintenant que tu m'as moi. Je ferai tout ce que... Et je peux faire beaucoup mieux. Ce petit coup rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Oh, beau guerrier. Oh my god. Alors, mon grand, ça t'a plu? Ouais. Pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis et apporte-moi des cadeaux qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est le sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile, même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. J'imagine qu'on peut trouver plein de trucs dans le coin. Absolument, camarade Major. J'ouvrirai l'œil alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chéri. Bon, ça va aller comme ça. On se tire. Attends, je vais regarder les améliorations pour Charles. Ok, attends. J'ai les amis. Ok. On sauvegarde toujours. C'est quoi
quoi le problème des Vova au corps noir, Nikolai? Les Vova 6 standards suivent mes ordres et sont toujours polis, mais les Noirs se comportent comme si le cycle leur appartenait. Ils font où ils veulent, et ils ignorent les ordres. Hier, l'un d'eux m'a percuté, il ne s'est même pas excusé. Ils ne répondent qu'à ceux qui ont un crédit social élevé ou quoi? Réponds-moi au plus vite. Je commence vraiment à flipper. Super, les ascenseurs sont HS. Du coup, je fais quoi, moi? Je saute? Il n'y a plus d'électricité. Si vous remettez le courant, il devrait refonctionner. Va falloir que je trouve un tableau électrique, quoi. Mais où, bon Dieu? Je pourrais suivre les câbles, mais ils sont tous planqués dans les murs. Ah, la réserve est fermée. Génial, génial. Et claquer des doigts sert à rien. Il faut une clé. Bon, je suppose que vous êtes pas capable d'ouvrir cette serrure, si, Charles? Non, mais je peux définir un point GPS permettant de trouver la clé. Elle devrait se trouver non loin d'ici. Vous commencez enfin à être utile, vous? Pas trop tôt. Attention, caméra de surveillance Pâquerette, droit devant. Si elle nous détecte, l'endroit va grouiller de robots. On se calme. Je peux détourner son attention en balançant un truc. Elle a désactivé à coup d'IEM. J'ai dit savoir comment éviter cette caméra, camarade. Je m'attendais à plus de subtilité de la part d'un professionnel. Des fois, faut juste faire parler la poudre. Comme là, par exemple. Accéder au tableau électrique. Ok, d'accord. Je vais d'abord devoir faire un petit tour d'horizon. J'ai besoin de pièces pour améliorer mon arme. Sinon, j'irai pas loin avec cette merde. Ce n'est pas moi qui vais vous en empêcher. Sage décision, Charles. Sage décision. Donc, si je comprends bien, une poignée de traîtres a réussi à pirater Collective, un réseau créé par les plus gros cerveaux d'Union soviétique. Techniquement, Collective n'a pas vraiment été piraté. Personne ne peut contourner les algorithmes créés par l'équipe du professeur Lebedev à l'Académie des conséquences. Alors pourquoi tout part en cacahuète? Eh bien, ces traîtres ont intégré un faux mode de combat à l'un des algorithmes du réseau. Ce mode force le central à considérer tous les humains comme des ennemis. Et nos scientifiques peuvent pas corriger ça sans Petrov. Si, mais ça leur prendrait trop de temps. Temps pendant lequel des informations sur l'incident risqueraient de fuiter du site, ce qui causerait une mort. Camarade,
Aucuns disent que le lundi commence un samedi. Mais je tiens à ce que vous preniez votre week-end. Comme vous le savez, la polymérisation à grande échelle va se produire dans toute l'Union soviétique le lundi 13. Et nos dirigeants veulent une équipe de volontaires pour les festivités à venir. Quiconque travaillera le 11 ou le 12 recevra un blâme, pas un bonus. Bon week-end à tous. Putain, mais pourquoi jamais j'ai eu un patron qui me dit ça? Ouais, si tu travailles tel jour, t'auras un blâme. Mais vas-y, cousin, si tu veux. Je vais pas aller travailler, y'a pas de problème. Ça serait dommage, j'ai pas envie de te contredire. Eh, hey, si on mettait un cookie là-dedans? Les serrures, ça doit aimer ça, les cookies. Hein, Charles? Plaît-il? Vous aimez les cookies? Aïe, un système de sécurité passif à regarder. Débloquer la fonctionnalité du relais sécurisé en mettant les flux magnétiques dans le bon ordre. Laser. J'ai déjà vu ce genre de truc un paquet de fois. Il faut un code couleur. Malheureusement, nous n'en avons pas. Vous allez devoir essayer de le trouver en réfléchissant. Ah ouais, je pensais devoir rester devant jusqu'à ce qu'il souffle tout seul, moi. Essayez de faire correspondre les couleurs des lasers avec celles des lumières. Ça devrait marcher. Dément, ça marche. Bien, retournons là-bas. Alors, ok. Ça c'est bon. Ok, let's go. Alors, on prend lequel? Je propose celui de droite. Autrement dit, vous en avez aucune idée. Du coup, je vais prendre celui de gauche, moi. Ok. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Putain, c'est pas simple, hein. Pour un débile, je sais où aller pour accomplir ma mission, hein. J'essaie juste de vous faciliter les... Est-ce qu'ils vont plein saut? Appuyez sur B en sautant pour faire un bond supplémentaire quand vous êtes en l'air. Eh ben alors, dans ce cas, foutez-moi la paix. Je vous rappelle que la porte est fermée par électromagnétisme. Vous le dire en quelle langue? Pardon, allez-y. Je vous en prie. Mais pourquoi ça a pas marché? En fait, ouais, c'est ça, c'est un télésiège, quoi. Je suis plus en sécurité là. On peut nager dans les polymères. C'est déjà fait. C'est plutôt cool. Un peu comme nager en pleine mer avec des dauphins.
Pas du tout, c'est que ça mène ça. Voilà le panneau. Évidemment, il est bloqué. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher, hein. Par contre, ces nouveaux verrous, je vais mettre des années à trouver la combinaison. Fouillez un peu. Quelqu'un a peut-être le code. C'était quoi ça? Merci de sélectionner la procédure désirée. Je peux faire des balles. Autorisation, Major Ney. Hop, et on sauvegarde. Mais au moins on a notre arme et on va pouvoir l'utiliser maintenant qu'on peut crafter des balles. Allez, en tout cas les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager, et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!